Poink. Allié tué, allié tué. Bah super. Ça allié tué dans tous les sens. Attends, je peux me le faire là. Poink, poink. Attends, attends. La vidéo que tu es sur le point de regarder est issue d'un live Twitch. Rejoins-nous tous les soirs à partir de 22h pour des games de folie et c'est peut-être toi qui choisiras le prochain champion. Regarde donc dans la description et à ce soir sur Twitch. Du sexe partout, ton cerveau est une bite, Louis. Attends, sautez-moi tous dessus, j'ai dit ça. Ah, j'ai dit ça. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. T'as compris le dragon de glace? Bah, tu vois le dragon de feu? Tu vois le dragon de terre? Tu vois le dragon de d'eau? Bah, maintenant, il y a le dragon de glace. Voilà. Le dragon de glace, il donne comme bonus du CDR. Et quand on est en map de glace, puisque tu sais, il y a la map de feu où les murs sont détruits, il y a la map de terre où les murs sont plus grands. La map de glace, les plantes deviennent des plantes de glace qui stun les gens. Et il y a des petites traînées de glace au sol qui te font accélérer. On pourra glisser sur le sol, je l'ai, whiz. Exactement. Exactement, on pourra whizzer. Et bonsoir Extrapol. Y'a pas grand chose à comprendre pour le coup. Si, par contre, du coup, il y a un truc, c'est le retour de l'indéterminisme des dragons. Puisqu'on aura à nouveau 3 dragons par game, mais 3 sur 4 cette fois-ci. Du coup, bien, on ne sait pas. Du coup, peut-être il y aura des games sans dragon de feu, peut-être il y aura des games sans dragon de glace. Il y aura, évidemment, des games sans dragon de feu, des games sans dragon de terre, etc. etc. Et donc, à quel point est-ce que ça influe sur les games? On sent pas tant que ça, mais c'est toujours rigolo. Par Aurélien. Et l'autre, il veut jouer jungle, là. Pendant ce temps-là, Bali et Nepto, ils se racontent leur life. Classique. Le coup classique. Le coup classique de Bali et Nepto qui se racontent leur vie. Ils vont être à deux sur la botlane, ça va être quelque chose. Hein. Ah, l'autre, il veut jungle, il veut jungle. Mais moi, j'ai pas dit non. Coco, top. Ah ouais? Ok. Ok. Ah, il top. Mais je top quoi, moi, pour game de chauffe? Je top quoi, moi, pour game de chauffe? Salut tout le mid. Oh, c'est bien raté ça, Magix, comme introduction. Comment ça va? Ça, c'est propre. Je top quoi, moi? Garen? Comme ça que Coty est sûr de pas nous gank. Tu veux que je joue Garen? Vas-y. Vas-y, Garen. Hein. Est-ce qu'il peut prendre Smite ou Kong? Je vais pas jouer Garen Jungle, hein. Go Jungle Wook. Smite. Mais je peux pas enlever mon Smite, en fait. Je suis le seul de l'équipe à avoir Smite. Il faut que Wukong, il voilà. Wukong prend le Smite. Oh, Garen de chauffe, c'est pas mal, non? C'est quoi les builds sur Garen? Est-ce qu'on va briscoquer? Je vais briscoquer, non? Attends, il faut que je sois tanky. Faut que je sois quoi? Faut que je sois tanky. Vas-y, on va pas briscoquer. Je suis nul en briscoquage. On va jouer avec la team. Simplement. Bonsoir, Perdo. Garen 010, tu l'annonces? C'est possible. Hein. Soit Tanuki. Tanky. Ouais. Ouf. Ah, Nepto sur Leona. Mandat sur Leona, c'est bien Bali. C'est ouf. Mandat sur Leona, c'est OP, Nepto. C'est l'item pour les gouverner tous. Et dans les ténèbres, les liés. Comment ça va? Ça va. Quoi te dire d'autre? Non, ça va. Le mec ne dit rien et prend son rôle. Qui ça? Le Wukong, là? Non. Non, il était parti pour jouer Wukong top, finalement. Il était parti pour jouer Wukong top. Et puis je lui ai dit, non, vas-y, si tu veux. Moi, je lui ai dit, c'est Nepto qui m'a dit, joue Garen. Donc, j'ai fait confiance, c'est ce qu'il fallait, j'en sais rien. Après, je me dis que pour une game de chauve, Garen, c'est peut-être pas si mal. On va jouer ça tranquille et mille. Allez, c'est cadeau. Ça, c'est un beau cadeau. Merci, Delgarde, pour le 20e mois d'abonnement. Merci énormément pour ton soutien, ça fait trop plaisir.
J'ai déjà vu le patch preview. On a à peu près tous déjà vu le patch preview parce qu'il est sorti il y a 3 jours. J'en parlais en début de stream. Je disais peut-être qu'on va le regarder ensemble ce soir. D'habitude, on les regarde ensemble, les patch preview. Sauf que d'habitude, on les regarde ensemble le jour où ils sortent. Et là, comme c'est déjà sorti depuis 3 jours, si 90% du chat l'a déjà vu, je sais pas si c'est très intéressant. Moi, je l'ai vu en tout cas. J'ai vu sur le stream de Jap. Il a passé littéralement une heure dessus à analyser les détails de chaque skin. Bon bah il y a des skins qui vont sortir quoi. Tu connais hein, Lux, Ezreal, Timo. Non même pas, je crois qu'il y a quasiment aucun skin sur les persos. Sur les persos à skin. Par contre si vous en attendiez un sur Pyke ou Gragas, spoiler, c'est toujours pas maintenant. Mais il y en a des biens. Clairement, il y en a des biens qui arrivent. Est-ce que j'ai envie de jouer Garen, moi? Wink. Celui d'Harry a l'air bien. Oh, celui d'Harry est rigolo. Bah, celui d'Harry, en plus, c'est gratuit parce que ça va être celui du prochain pass, si j'ai bien compris. Celui d'Harry qu'on croyait que c'était Caitlyn. Paf! T'as cru qu'on allait le voir ensemble, le patch? Écoute, si tu t'es pas spoilé parce que tu t'es dit qu'on le regarderait ensemble et que vous êtes nombreux dans ton cas, on va le faire. On va le faire. Mais bon, vers 23h, c'est toujours vers 23h qu'on regarde les patchs. Le temps que tout le monde soit là. Ah bah ok, je prends la sauce. Ok, ma ignite. Ok, le boog. J'ai utilisé mon passif magique. Skin Zeri et Séraphine incroyable. Zeri très cool, ouais. Zeri très cool. Ah, premier sang. Pas le fun. Est-ce que je suis censé... Comment je suis censé aborder ce match-up? Ils sont en train de parler, les Ozos encore? Non, ils se sont mis sur Discord, je pense. Nyaon. Bonk. Oh, c'est pas dingue, hein. C'est pas dingue les dégâts que je lui mets. C'est pas dingue du coup, du tout. Boink. J'ai un jungler. Et je vais filer la jungle, il a intérêt à être cool au sang. Vous connaissez Koulos? Ça veut dire cool, mais encore plus cool. Une expression que je vous donne comme ça, parce que vous voulez. Il a plus d'ignite, Gragas, j'ai pas peur. Il a plus de mana non plus. Ça fait que j'ai encore moins peur. Vous voyez comme je maîtrise mon sujet. Ah, il a récupéré du mana là. Fâcheux. Poink. Allié tué, bah super. Ça allié tué dans tous les sens. Attends, je peux me le faire là. Poink, poink. Trop facile ce jeu. I feel all que tu utilises Koulos. Quoi, c'est vieux comme expression Koulos? Bah j'utilise que depuis la semaine dernière. Chacun son rythme hein. Regarde, c'est archi fort, surtout contre les ADC. Ça tombe bien, je suis pas un ADC. Je vais faire un petit trou. La mise à jour sort quand? Je sais plus, c'est quelque part entre dans une et dans deux semaines. J'ai plus la date, il me semble qu'elle est disponible sur internet. Ils avaient sorti un calendrier des dates de sortie des grosses mises à jour. Je connais depuis le collège. Ah mais c'était quand le collège pour toi? Parce que tu sais, il y a des gens sur le chat qui étaient au collège au siècle dernier. Il y a des gens sur le chat qui étaient au collège l'an dernier. Hein. Ouais, je vais pas m'approcher trop de sa tour, sinon il va me balancer, ça va être pas fun. Je vais pas le taper tant qu'il y a 12 bières. Oh, il a eu peur. Il a peur de moi. Ça, c'est le plaisir de la top lane. Hein. C'est l'ennui, mais partagé à deux avec un adversaire. Superbe. Superbe. Comment ça se passe pour mon équipe? Ça va. Ah, Kaïssa, Léona en même temps. En même temps, Kaïssa, Léona, tu veux faire quoi? De la triche. C'était il y a trop longtemps pour moi. Moi, j'avoue que le collège, ça fait longtemps. Hein. Je suis rentré au collège en septembre 2000. Donc, ouais, ça fait un petit moment, l'air de rien. Ça fait un petit temps. Ah, mais attends, faut que j'aille le tuer, lui. Comment il s'appelle? Frozen Devil 666. Non. Personne n'a le droit de s'appeler Frozen Devil 666 dans ma game. Du coup, je l'ai pas tué du tout.
trouvez ça légit, vous, Frozen Devil 666. Tu piques maximum émeraude avec un pseudo comme ça. C'est limité. Attends, mais Gragas push pas. Ah ! Un cadeau. Oh bah, je retournais voir Gragas. Oh, le travail du top laner. Ah ouais, j'arrive pile au moment où les sbires arrivent sous la tour, c'est parfait. Et mon jungler est en 3-1, hein, j'ai bien fait de lui laisser. Hop, 0 sbire loupé. Ok, canon loupé. Bigre. Bigre, bigre, bougre. Ça va être trop bien la horn pour la top lane. On va tenir notre lane à l'infini. Quand on verra passer un copain, ping-pong. Par contre, le nouveau passif de horn, là, on en parle? On en parle maintenant ou on en parle après? Parce que, ok, il donne pas les versions améliorées de fou des items. Mais de ce que j'ai compris, horn, il achète automatiquement un item pour un de ses alliés. Sauf que son allié choisit pas et ça lui prend la thune. Imagine ton prochain item dans ta liste d'items, c'est l'âme d'inf. Et finalement, tu te dis, ouais, non, finalement, je veux acheter un autre item. Et Horn, il passe à côté de toi et ping pong, ping ping, il te consomme 3000 balles et il t'achète ta lame d'inf. T'es censé avoir le seum un peu ou t'as le choix là-dessus, tu dois valider? C'est pas clair, hein? Franchement. Pas hyper clair cette affaire. Bolly. Triplé. Ou alors il faut communiquer, il te fait un ping et toi tu vas préco l'item que tu veux et ping pong pong, il te le fabrique. Je sais pas, ça m'a pas l'air ouf cette partie là du passif. Après faut voir comment ça marche son passif de ne pas avoir à back pour acheter des items. Est-ce que c'est comme sur PC où t'as une sélection d'items un peu bizarre, tu sais pas trop d'où ils sortent, ou est-ce que vraiment tu peux fabriquer ce que tu veux? Bah cool, le non-consentement. Bah en fait, ouais. S'il y a pas le consentement, c'est un viol, hein, tout simplement. Il va te violer tes golds pour acheter un item que tu ne veux pas. Un peu comme quand ta femme prend ton carte bleue. La carte bleue. Je passe en mode Olivier de Benoît. L'autre jour, ma femme bûche. Oh, c'est bon. J'ai cru qu'il allait tuer mon copain Aurélion. Alors chérie, j'ai acheté une Lamborghini avec ta carte. Pardon. Non, mais une petite en plastique. Bref. Je sais pas où je vais là-dessus, mais m'en voulez pas. C'est la game de show. Ton carte bleue. J'ai acheté ta carte bleue différemment. Et là, parce que je sais pas, ça a bugué dans ma tête. J'ai dit ta femme. Et dans ma tête, j'ai pensé, ah, faut être inclusif, peut-être qu'il y a des gens qui sont avec des hommes, pas forcément qu'avec des femmes, peut-être faut que je parle aux femmes aussi. Et du coup, j'ai dit ton pour carte bleue, pour être inclusif vis-à-vis de l'appareil. Comment on appelle ça déjà l'appareil, l'appareil à carte bleue? Là, c'est trois lettres. Oh là! Laisse-moi tranquille, toi. Le TPE, le TPE, je crois que ça s'appelle. Mais Gragas. Oh mon Gragas. Oh 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 oh. Mon Gragas. C'était trop bien ton flash, mon Gragou. Mon Gragou. Comment ça, meurtre en série ennemie? Oui, c'est TPE. Bah, il connaît, hein. Bonsoir Elena. Ah, Gragas. Boink. Bon, je m'en sors jamais, hein. Ouais, effectivement, je m'en sors jamais. Horn forge un item pour lui et l'allié à côté reçoit un token pour acheter un item de n'importe où. Ah, stylé dans ce cas-là. Vous savez, t'as vu le patch preview et t'as ton Kiki d'ADC qui est tout dur. Je sais pas, hein, parce que c'est un patch pour les joueurs de Samira. Après, je me dis Kai'Sa Shield Bow Collector, ça peut être stylé. Faut voir les stats. Faut voir les stats et le build pass pour savoir si ça permet d'avoir le passif. Bonsoir, Haribo. Si t'as bien compris, Fegad, j'ai pas regardé en détail. J'étais en train de game dans mon canapé, je regardais le stream de Jab, j'ai vu qu'il regardait le patch preview, donc je l'ai vu à ce moment-là. J'ai pas suivi de fou tous les détails. Surtout un patch pour les windshifters, les joueurs de Z et les main Varus Leta. C'est ton patch alors. En même temps, Gash, si tu me permets, tous les patchs, tu dis c'est mon patch. Toi, t'es content à tous les patchs, c'est quand même assez exceptionnel. Les persos préférés sont d'une variété suffisante pour qu'il y en ait toujours au moins un qui se fasse bien buff quoi qu'il arrive. Les windshifters. C'est péjoratif, non, comme terme? Oula. Ah non.
Le dernier patch, c'était ton patch. Ouais, mais en même temps, ils ont fait n'importe quoi sur Vi, mec. Attends. Maintenant à l'aide, une fois de plus, petite impression de déjà vu, petit gauche-droite pour éviter le grappin. Gauche-droite. Ah. À l'aide. Oh, Wukong. Monsieur Kong. Ok, pas mal. Ça fonctionne pas mal, Garen. Au moins quelqu'un qui ne grogne pas à un nouveau patch. Pff, les gens sont des grogneurs. Non mais qui grogne sur ce patch en vrai? Il y a des gens qui trouvent que la preview elle a l'air pas bien. Il y a des gens qui disent « Oh non, Dragon de glace, fou, moi j'aime pas trop la glace. » Je sais pas. Hein. Z avec collecteur plus Lord Dominique, ça va all-in un mec, l'auto-attaque pour le passif, ça va lui crit à 500 dans la tronche, ça va être hilarant. On a pas la même définition d'hilarant, mais ça va être cocasse, effectivement. Plutôt parti sur le terme cocasse. Bon bah écoute, je continue de faire mon petit bonhomme de chemin sur la top lane, moi. Hein. Sans brise-coque, mais au calme, de hein, toute façon je tape pas la tour pour l'instant. Non, moi j'ai bien envie de jouer Ornn. Autant Voli et Swain me tentent moyennement. Je pense que Swain va faire plaisir à plein de gens. Parce que voilà un contrôle mage. Voilà un contrôle mage, enfin. Par contre, on va le voir en support dans tous les sens. Et Voli, j'ai l'impression que du coup, ils ont pas conservé son côté désactivation des tourelles. Les gens de la planète Reddit disent OMG, un exécute, ça va être broken. Ouais, mais Reddit, gros. Reddit, un endroit formidable pour certaines communautés, mais pas pour celle de Wildrift. Magnifique le patch avec de nouveaux items. Avec mon j'aime que Yone. Il manque un mot, arnaqueur. Il manque un mot, mais je comprends que t'es content. C'est ok. L'autre, il météore. Non, mais météore sur les sbires, faut pas faire ça, c'est nul. Hein. Faites pas météore sur les sbires, je vous en supplie. Contrôle mage, tu veux dire battle mage plutôt. Il m'a pas l'air très contrôle mage. Ouais, battle mage. Après, niveau contrôle, il est pas en reste, hein. Il a quand même un gros grappin de zone. Il a un grappin gros, ça a la portée d'un grappin de Blitzcrank, mais ça attrape tout le monde. Quand même pas dégueu. Ils ont assuré. On verra comment ça se passe vraiment, mais sur le papier, sur la vidéo, en tout cas, ça a l'air cool. Libère, j'aime trop la dégaine du perso. J'aime bien ouais, son redesign. J'avais pas vu son redesign depuis sa refonte sur PC, j'avais pas trop suivi. Il est assez massif. Contre le match, c'est pas un match qui a beaucoup de CC, c'est un match qui peut avoir énormément d'impact sur la map. Je suis pas trop d'accord parce que pour moi, Anivia, c'est un contrôle mage. Alors que. Elle est pas trop en mode contrôle sur la map, elle est en mode contrôle. Non mais vous êtes combien? Ils sont 5! Ils sont 5 à l'aide. Pourquoi vous êtes tous morts? Pourquoi toute mon équipe est morte alors que tout le monde était sur moi? Je comprends rien. Un nouvel item pour Yone. Mais dès qu'ils sortent un item, c'est un item pour Yone, Yasuo. Salut Bibiz. Franchement, moi je vois Shieldbo, je me dis ça va être méta Samira. Hein. Je me suis fait ganged banged. Hein. En vrai, j'aurais dû jouer Briscoque. Vas-y, Briscoque, je m'en fous. Briscoque, c'est parti. Je fais jamais teamfight de ma vie, visiblement. Je vais rester en split. On fait un late Briscoque. Ce sera très bien comme ça. Combien de sous il me faut pour l'acheter? 1000. Ça va, 1000. Avec la prime Macron, normalement, il y a 1000 euros qui tombent. Hein, si l'entreprise est sympa. C'est eux qui décident, visiblement. Bon. Carnage. Qui est bien dans la game, là? Bali, sans surprise. Ah bah voilà, le mandat sur Leona. Mandat sur Leona OP. Hein. Par contre, l'item qui sert à révéler les fufus, je comprends pas trop. Le bouclier Solari, là. Je sais plus comment il s'appelle. Comment il s'appelle, ce truc? Le linceul de l'aube. Pas du tout bouclier Solari. J'ai hâte de voir les différents boutons qu'ils vont proposer. Différents boutons, comment ça? Nouvel item dispo, ce que je viens de comprendre. Ça a été annoncé dans la vidéo. Mais vous avez l'air d'être pas mal quand même nombreux à poser des questions, donc on la regardera ensemble la vidéo. Ouais, on va pas s'attarder dessus de fou. Histoire que ça dure pas non plus trop longtemps, mais on va la regarder ensemble aux alentours de 23h la vidéo, comme ça on en parlera. Bonjour! Boink! Je suis le tank! Je bloque les coups pour toi, Bali! Je bloque les coups pour toi! Oh, super!
Vas-y, j'achète un briscoc et je vais faire ma vie tout seul. Je stream sur PC, Oui, je stream sur PC, mais je joue sur téléphone. Je comprends pas ce que tu entends par les boutons qui vont proposer Whips. Me préciser. Ou alors, le mot bouton, il était... C'était une erreur de frappe aussi. L'interface des boutons qu'on pourra changer. Je suis passé à côté de ça. J'avoue que... j'ai pas fait gaffe quand ils ont parlé de ça. Et bah écoute, on va voir ce soir. Vas-y, 23h on se remate la preview ensemble. Alors le bouton d'auto-attaque, j'ai pas fait gaffe, je devais pas être attentif à ce moment-là de la vidéo. J'ai pas fait gaffe au fait qu'ils allaient changer ça, donc vas-y, pourquoi pas en vrai. Toute possibilité de customisation de l'interface est bien, je trouve, quoi qu'il arrive. Puisque c'est un jeu qui est joué sur téléphone et sur tablette. Déjà... le fait qu'on puisse changer la taille, l'emplacement, la position des boutons, c'est vachement bien. S'il y a encore plus de customisation, pourquoi pas en vrai. En vrai, pourquoi pas. D'autres focus. Bah oui, je t'ai dit, moi je l'ai pas vu en étant concentré le patch. J'étais dans mon canapé en train de game. Et je regardais le stream de Jap en fond sur la télé. Et puis à ce moment-là, il a mis la vidéo du patch. Donc je l'ai vu d'un œil, si tu veux. Ça end quoi, Meliodas? Il faut rajouter des compléments dans vos phrases, les copains. Ils ont parlé d'autres customs, mais j'ai pas tout capté. Bon, on va regarder ça ensemble. Pas de panique. Jace! Ouais, bof ce que je fais, là. On va juste gentiment prendre le troisième Drake. Bon, ça passe tout seul, Garen. Une game de chauffe, on dit pas non. Bah tout doux, non? Tout doux, Nepto, là? Ouais. Je veux juste qu'on ait ce dragon tranquillement. On va s'occuper de Shyvana. Shyvana! Il y a le jungler qu'on ne veut pas voir. Je la touche à travers le mur. Énorme. Énorme! Oh, il est happé, notre ami Varus. Oh, mon ulti est jamais parti. Ah, mais attends, Wukong, il est venu se battre avec nous au lieu de faire le dragon? T'as réussi à changer ton pseudo, bravo! Wukong, il était pas sur le même. Il était pas sur le même objectif que nous. On est tous partis buter le jungler adverse en mode vas-y mon gars, fais le dragon. Il a fait autre chose de sa vie. Ah, Bali. Varus, il est bien AP, ouais. Hein. J'avoue, j'ai pris un deux tiers de ma vie directement avec son ulti quand ça a pété là. Ça nous a fait tout drôle. Bon, tu vas le faire ton dragon, Wukong! Je t'ai donné la jungle, enfin faire le dragon en fait. Mais qui est ces gars? Allez, fais-le. Y'a moyen de jouer avec toi, je suis D2. C'est pas impossible, je prends des viewers un peu à chaque game. Fais amourante. J'avoue que je suis en train de faire Sterak, mais c'est peut-être pas nécessaire. Puisque j'ai Briscoc. T'as raison, un petit amourante là. Pour avoir un peu de RM. Mais du coup, on fait pas le dragon, mais Wukong il est aux fraises. Hein. Ça va pas du tout, hein. Il était gratos, ce dragon. Ah bah oui, ping-le maintenant, on y va. Même pseudo Twitch est dans le jeu, mon cher monsieur. Ah, ça, c'est beau. Ça, c'est beau. C'est vraiment bien de ta part. C'est ok, le dragon, c'est ok, le dragon. Mais Garagas, t'es caché dans ce buisson? Ah bah non, pas du tout, puisqu'on est une ward. Il est caché là. Salut, mon gros Graggy. Graggy, nous? Quoi? Oh, vas-y, on n'a pas le droit de jouer. Même pas le droit de jouer, zéro fun. Faut aller péter leur tour mid. Attends, ça solo ça. 660 HP avec Briscoc et Demolish. Y'a pas besoin de sbire. Non, clairement y'a pas besoin de sbire. Et paf. Oh non, vous laissez mon ADC. Merci, laissez mon ADC. Varus, il fait trop mal. Il fait trop mal. Moi qui suis habitué à jouer Varus... quand il est en face, c'est une autre limonade. C'est vraiment une autre limonade. Du coup, il fait ça tout seul. Oh. Pas l'air d'avoir compris, Jace. T'es à une game du D1. Bah, techniquement, moi, après cette game-là, je serai à une game du D1 aussi. On est au même niveau de progression. Cool. Bon, alors, amourante. Vous faites vraiment le Nashor à deux, là? Bon, ça a l'air de passer. Hein.
Ça a l'air de passer. Pas de difficulté particulière, cette game, visiblement. Du coup, je suis à combien de résistance magique avec ce build-là? 207. Waouh. Mais attends. J'ai que Amourante qui fait de la résistance magique. C'est tanky, Garen. 207 avant le proc Amourante. Après, Varus, il s'en fout un peu parce qu'il pourcentage HP max, mais ça reste du dégât magique. Allez, tu fais des bêtises. Ok, belle bêtise. Go D1 ensemble, pourquoi pas. Faut que je silence Varus et comme ça on est tranquille. Après tu me diras... Tu me diras c'est un petit peu gagné. Varus! Silence! Meurs! Il meurt pas du tout. Ça passe. Bravo! Bon bah j'ai bien fait de laisser la jungle d'aller top finalement. Et après Gash, gank mid c'est free win. Pareil ouais. Pareil. Après si tout était si simple dans la vie, tout le monde ne ferait que gagner, personne ne perdrait et on voit bien qu'il y a une incompatibilité mathématique à cette histoire. Oui.